Allez, on est parti. Donc, pour la première mission, donc on va aller en difficulté modérée. Brock et ses nains font route vers les mines des nains. Eh bah t'as du mal. Ah. Ouais, ils sont encore agréables, surtout en version extended. Ah, les héros de Ragnarok, je les connais bien ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Construisez 4 chars à bœufs. On va afficher les conseils. Alors, les chars à bœufs sont entraînants et ne peuvent pas fuir les attaques rapidement. Ils doivent être protégés. Les missions de reconnaissance vous en découvrir ou envoyer aux chars à bœufs. Les bonnes reconnaissances apportent leur lot de surprises utiles. J'ai une cavalerie aussi. J'ai Etri qui peut se battre. Alors, 4 chars à bœufs. Je vois qu'on a un ennemi là. Ouais, on a un ennemi qui est présent ici. D'accord. On a de la nourriture par là. Salut Momon, comment tu vas? Ouais, c'est vrai que Momon, je crois qu'il en avait réclamé du AOM. Ah ouais, mais je veux pas dire de bêtises, mais on joue avec Thor aussi. D'accord. On a 1000 pièces d'or. Donc, ce qu'il faut savoir avec Thor, c'est que les nains sont plus polyvalents, alors que les nains, normalement, avec les Scandinaves, si je dis pas de bêtises, sont que cantonnés à l'or sur le papier. Franchement, c'est un bon jeu, tout à fait, Momon. Donc, on va les chasser avec nos nains, pardon. Si je dis nabos, je vais avoir un comité de direction sur le dos. Avec ma cavalerie, je vais explorer un petit peu là. C'est quoi comme relique? L'anneau de Nibelung qui fournit une petite rentrée d'or. Allez, viens là toi. On a un port, c'est la ville d'Angrim. Est-ce qu'il y a une mine d'or dans le coin? Il y a une mine d'or ici. Là, on a le clan de Brock qui est là, ok. Failli choper la crève. Mais en vrai, cet anneau qui rapporte de l'or, ce sera son utilité. Donc j'ai 6 nains au bois, 6 nains là. Donc ça nous génère un petit peu d'or, c'est un peu comme une relique. Hein. Salut Mister José, bienvenue à toi, comment tu vas? Et au cas où, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je fête aussi mon anniversaire, c'est mon dernier live aussi de 2021, puisque demain je ne pourrai pas streamer, comme vous pouvez vous en douter. Ouais, là, l'extension en Chine, c'est vrai que c'est dommage. Il y avait du potentiel, mais malheureusement, bah. Oh, il y a pas mal d'or ici. Ça va, ça va. On fait cette petite campagne avec le présent d'or. Je pense qu'en une soirée, ça devrait être fait. Bon après on va prendre le temps pour bien faire les choses bien sûr. Le dernier live, bienvenue sur Ragnarok. Après dans la campagne du trident principal, Momon, oh là, oh là là, oh le pauvre, oh ce. Donc on est à l'âge classique, donc l'âge 2. Je vais voir si on peut tenter de capturer la fontaine ou pas. Non, 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 non.
Bon, vas-y, Brock. T'es un héros. Et les héros, normalement, ça a des bonus contre les unités mythiques. Les héros Grandnarok, le seul moyen que vous pouvez les obtenir, c'est... Alors, je crois que c'est qu'un des dieux, je sais plus lequel. Mais tu peux l'avoir si tu utilises le sort divin qui fait que tous tes villageois nains deviennent des héros Grandnarok. Et évidemment, ils peuvent bâtir des bâtiments, puisque c'est de l'infanterie. Vas-y, viens là, toi. Salut, Loubou. Comment tu vas? Ah, je l'ai pas joué à celui-là. Ah, merci Sir Madness pour ton raid. Bienvenue au Sir Madnessien ou Madnessien. Bienvenue, bienvenue. Donc on va se soigner. Par contre, j'ai l'impression que ce coin génère des géants à tout va. Salut Bandira, salut Lysium, bienvenue, bienvenue. Donc là, on va juste se soigner en attendant. J'ai assez de bois, j'ai assez d'or. Oh, par contre, là, faut avancer, mais les gars. Alors, pic à cochon, Thor augmente l'attaque et le taux d'accumulation d'animaux chassés des villageois. On va faire cette tech. Là, on a un peu de bois qui se forme. On va repartir. Est-ce que j'ai une armurerie? Ouais, j'ai mon armurerie ici. On peut avoir déjà une armurerie qui fait toutes les technologies, ce qui est assez craqué. Elle peut faire toutes les technologies, même si vous n'êtes pas à l'âge requis. Je vais vous le montrer ça. Par exemple, je vais vous faire les trois premières. Oh, merci du follow, Bandiras. Rex, c'est ravi de ton follow. Bienvenue, bienvenue. Alors, par contre, là, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a plus de chasse. Où est ma cavalerie? Je vais aller explorer par là. Ah, tu m'étonnes, hein. Moi j'en ai pas encore fait du multi, enfin contre d'autres personnes humaines, hein, je parle. Donc bon, ça m'intéresse pas trop. Même si je sais que les gros des jeux Edge of, que ce soit Empire, Mythology, c'est du multi. J'ai vu qu'il y a encore une bonne petite communauté sur Edge of Mythology. Ah, le dos droit, il y en a qui savent utiliser les bonnes commandes. Merci les gars, ma santé vous remerciera plus tard. Bon, là on peut plus, donc... Là, on n'a plus de bois. Allez couper là-bas. Je vais invoquer tout de suite la mine des nains. Même si je sais qu'elle est pas, c'est pas optimisé. Parce que plus vous attendez pour utiliser cette mine, plus elle génère d'or. Mais là, je sais exactement ce que je veux faire. Alors, vous allez me faire des fermes. Bon, la vache, elle va y passer tout de suite. Je dois encore faire un char. Et c'est bon, j'aurai mon objectif accompli. Bon, faut que je bouffe après. Bah, ça marche le bout. Voilà. Bon appétit à toi. Donc là, vous voyez, j'ai déjà mes premières améliorations technologiques de fait. Et je peux déjà enchaîner sur celle de l'âge 3. Et je sais plus, mais elle coûte moins cher ou pas avec Thor. J'ai un doute. Non, j'ai. Enfin, ouais, quoique. Hop, regardez-moi ce géant. On va se le faire en 2-2. Après, on a que des héros. Vous me direz, c'est facile. Et après, les autres héros qu'on a classiquement avec les Scandinaves, ce sont les Hersir. Je vais en faire 4. Ah, j'ai les Valkyries, c'est vrai. Ça peut soigner ce truc, ces unités-là. Si, Loubou, j'ai fait les premières campagnes en vidéo. C'était sur YouTube à l'époque, j'avais fait que YouTube. J'avais fait la première campagne, donc la chute du Trident, la campagne principale avec Arcanthos. Et aussi la campagne de la Nouvelle Atlantide avec les Atlantes. On va explorer un peu la carte. Donc là, on sait que l'ennemi a une position là-bas. Ah, on a deux gros problèmes là. Bon, allez Brock, occupe-toi de ce... T'es un héros, tu dois bosser un peu. Attention, attention. Vas-y, viens là, toi. Parfait. Si jamais on veut récupérer cette colonie. Merci, Sir Madness. Merci beaucoup. Mon bon Sir. Donc là, j'ai formé un groupe de Hersir en supplément. Est-ce qu'il n'y a pas une relique dans le coin, au cas où? Ah, il y a un nounours. Et j'ai deux autres vaches, là. Qu'on va ramener.
Donc là, on est pas mal. Par contre, on génère plus de bouffe. C'est embêtant, ça. Et je vais régénérer deux autres petits nains. Non, quatre. Comme ça, on aura pas mal de nourriture. On sera plutôt pas mal. Bon, la vache, là, faut bouger. Donc là, les chars à bombes pourraient faire pas mal de technologies aussi. Je me demande si je devrais pas faire un port. On a un poisson là. Donc pour le moment, on n'est pas trop menacé à l'heure actuelle, donc c'est plutôt un bon point. On a de l'or encore là. On aura notre mine d'or ici. Après, on pourra emmener notre groupe de nains mineurs ici. Donc les hercires vont bâtir le port. Donc les hercires qui sont des héros hein, de base. Ils ont tous des noms différents, ça c'est plutôt cool. Allez, je vais faire deux Valkyries, ça aura son utilité. Peut-être quelques maisons supplémentaires. Plus on aura de pop, mieux on se portera. Et vous êtes neuf, ah, merci à vous les gars, ça fait chaud au cœur pour ce dernier live. De l'année, hein, bien sûr. Alors, je vais faire déjà deux navires de pêche. Oh, je pourrais en faire trois, tu me diras. Oh, j'ai beaucoup d'or d'un coup là. Ah oui, j'ai 4 mineurs en trop. Merde. Salut Major Marco, comment tu vas? Donc là, on a nos Valkyries qui sont là, elles vont pouvoir nous soigner, nos troupes, en plus de la fontaine. Eux, il faut les conserver précieusement. Hein. Parce que vu leurs dégâts contre les unités mythologiques, ça sera pas de refus. Merci du follow, Lissou, bienvenue à toi. Donc là, la vache va y passer. Ah oui, bonne année pour 2022. On y est dans 2 jours. Alors, je vais juste voir si je peux pas explorer un peu avec ce navire de pêche là. C'est dommage que sur Age of Mythology, il n'y a pas de navire de commerce. Hein. Et je vais faire aussi un navire de transport si jamais on peut voir s'il y a quelque chose derrière. Il y a deux navires de pêche qui font rien, je suppose que c'est volontaire. Explorons le fleuve, hein, tant qu'à faire. On a un port de pêche ici. Ok. Oh, lui, il est H3, là. Ça, c'est pas bon. Je vais prendre qui, moi, avec Thor? Le sanglier ou le gel? Ah, le sanglier, il me fait plaisir. Parce qu'il augmente la vitesse des unités mythologiques. Et franchement, ça, c'est vraiment... Comme j'ai des Valkyries, ça peut être un bon combo. Ça serait une cavalerie rapide. Et j'aurais les géants du... Je sais même plus ce que j'aurais comme unité d'ailleurs, tu vois. Bah déjà, ce Yves-Sark là, il va passer au fil de l'épée. Ou de la hache, comme vous préférez. Je vais me protéger ici et là, avec des tours là. Oh. Oh, il y a des sangliers. Ce sont pas des Gaulois, mais bon. Allez. Hop. C'était pas au programme, mais bon. Plus de bouffe, mieux c'est, quoi. Et aussi, la petite astuce à savoir. Alors, pour les héros nommés dans les campagnes précédentes, à chaque âge, le héros gagnait un point d'attaque. Alors, on va voir si ça se vérifie avec Brock et les autres héros. Brock, il a 12 d'attaque à l'heure actuelle. Notre héros du Ragnarok en a 14. Donc, on va le savoir tout de suite. Petite astuce. Alors, si Brock prend... Ma théorie va-t-elle se vérifier? Oui, regardez. 13 ici pour Brock. Et 15 pour le héros de Ragnar. Et les Hercires, pareil, ils ont gagné en puissance. Bon, c'est qui plutôt une bonne chose. Et je vais tout de suite faire la rune Kurizaz qui va augmenter la vitesse des unités mythiques. Donc je peux avoir que des Valkyries, ok, pour cette mission. Et je dois encore faire un autre char à bœuf. Bon, là, le premier sanglier est passé.
Ok, donc faut se rendre à ces cavernes. Par contre, je voudrais, il y a un truc que je veux vérifier là. Où est-ce que c'est? Donc là, on a plus d'or, ok. Là, les prochaines vaches aussi. Tu sais quoi, on va t'emmener là. Navire de transport. Et après, je vais emmener mon cavalier. Je vais voir s'il peut, s'il voit une relique sur l'île. Je vois qu'il y a des vaches, donc on va peut-être les embarquer si c'est possible. À moins que je bâtisse une colonie là. Pourquoi pas? Oh putain! Il y a un géant. Oh putain. Mon cavalier est cuit là. Bon. Tu vas emmener ces Hersirs et ces Valkyries. Je vais garder ce pouvoir là pour plus tard, vous allez comprendre. Bon bah rip mon cavalier. Hein. Et là je vais commencer à développer les prochaines technologies. Donc là c'est bon. Vous allez miner l'or par là. Les héros de Ragnarok là. Ah, te voilà toi. Bon, c'est un hussard. Moi, il y a attention quand même. Ils peuvent être dangereux. Alors, qui veut du cavalier avec son dit trompel? Bah, un géant du givre, Momon. D'ailleurs, tiens, la rune, elle a donné combien de vitesse en plus à ma Valkyrie? Elle a augmenté de 0,72 la vitesse. C'est pas dégueulasse, hein. Ça en fait une unité très mobile, quoi. En plus de pouvoir être soigné, pouvoir soigner. Ah. On récupère un petit village ici, je dis pas non. Et comme ça, on va pouvoir envoyer pêcher les deux navires de pêche qui étaient restés ici. Donc là, on va vite bâtir notre colonie. On pourra mettre quelques nains ici, ils seront plutôt tranquilles, je pense. Mais à mon avis, il y a d'autres coins à explorer de la carte. Hein. Héros de Ragnarok, vous pouvez bâtir quoi? Maison communale, c'est pour l'infanterie, ça. Enfin, pour beaucoup d'unités militaires. On va en faire deux tout de suite. Je vais prendre le temps pour bien préparer les scénarios. Donc là, vous... Bah justement, vous, là, vous foutez plus rien. Ces nanas, je vais les emmener sur cette île. C'est pas un bagne, attention. Ok. On va les transporter. Parfait. Ok. Par contre, là, je pense que je pourrais passer à l'âge mythique si je fais un marché. Bah, tu sais quoi, je vais le faire le marché. On va aller chercher ce forum là-bas. On va faire un forum comme ça pour faire des caravanes. Bon. Par contre là, je vais devoir commencer à préparer mes... Renforcer mes bâtiments parce que j'ai pas envie de mauvaise surprise. Où sont les nabos là? Ah, vous êtes là, vous. Venez. Parfait, beau travail. Et je vais produire 4 charriettes en réserve ici. Comme ça, le moment venu, on les emmènera pour l'objectif à accomplir. Explorer par là. Il y a un chemin là. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Mais est-ce que c'est toujours vérifié? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une mission secondaire, ça. D'accord, bon. C'est pas que j'ai pas confiance, mais... Y aller avec ça, c'est être un peu à poil.
On va y aller. Je vais continuer de renforcer mes troupes. Quoique l'âge mythique, je pourrais y passer tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? C'est le dieu là que je vous parlais, Baldr. C'est lui qui déclenche le Ragnarok, qui transforme toutes vos unités de villageois, donc soit nains ou amasseurs classiques, en héros de Ragnarok qu'on a. Après, sinon, on a ça là, on a Tyr qui est le dieu de la guerre nordique. Il donne la portée de Fenris. Plus la portée est en nombre, plus elle est puissante. Et ça, il bénéficie de l'infanterie. Là, c'est le siège et la cavalerie. Voilà, après pour les navires, j'en aurais pas besoin pour cette mission. Les géants de feu, non. En vrai, j'ai envie de prendre la vrille des nains, quoi. Pour les béliers, mais. Après, l'hiver Fimbul, il est bien. Il attaque tout 4 forums ennemis. C'est ça aussi, quoi. Bon, allez. Je vais partir sur tir. Juste pour le sort. Et je pourrais comboter avec le sort armée enflammée qui va augmenter l'attaque de mes unités à un moment donné. Et là, je peux passer 2-3 techs comme ça. Donc là, vous allez aller par là. Je vais commencer à préparer des technologies supplémentaires. Bon, regarde, je pense qu'avec notre petite force, là, on peut espérer des trucs. Oh, punaise. Je sens le traquenard arriver dans cette montagne. Ah. Donc on va ramener déjà 2 vaches ici. Ouais. Par contre, le pathfinding du jeu à l'époque, c'est pas évident. Donc on a déjà retrouvé 2. Donc là, c'est un cul-de-sac, ok. Allez, alors retrouver les meumeux à son proprio là. Ah, ils ont on va connaître tous les noms des vaches là. Ah, il y en a une ici. Il y en a 3 là. Ok. Où est la dernière? Ah, un troll. Bonjour toi. C'est pas un troll des cavernes, hein, même si ça pourrait. Bon, on a retrouvé 5 des 6 vaches. Par curiosité, j'ai juste envoyé deux par là. Comme elles sont beaux. Bon, tu vas toutes leur donner un nom, ça se passe comment? Ouais, il va faire ça. Hein. C'est un Huskarl le champion en plus. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose en bas. On va éviter de laisser Brock en arrière. Même si là je commence à avoir des stats de cochon avec mes trucs. Ah! Bon, on va lui rendre aussi comme ça. Je pense qu'il va nous donner le char à bœuf. Alors je sais pas s'il va nous donner les amasseurs par contre. Donc là on aurait des hussards du feu de Dieu avec toutes les techs qu'on a. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Ah, on a un passage des enfers. Ça va peut-être nous être utile, ça. Alors, pour ceux qui se rappelleraient pas, le passage des enfers est utilement disponible avec. Alors, c'est Apollon, si je dis pas de bêtises, chez les Grecs. Donc là, c'est pour la mission. Hein. On peut se douter. Donc là, niveau nourriture, on commence à masser plutôt pas mal. Par contre, je vais faire mon forum là, pour mon or. Je vais préparer la technologie
qui va augmenter la vitesse des caravanes. À mon avis, ils vont nous faire une armée assez conséquente pour y aller, quoi. Et c'est pour ça que je vais bien prendre le temps de tout développer. J'ai 4 hercires. Il y en a 4 là à l'abri. Les 3 vaches là, je les emmène sur l'île. Comme ça, elles seront à l'abri. Là, j'ai une bonne base économique qui est plutôt sereine. Bon, la tour, elle sert à rien. Plus une gênance qu'autre chose. Là, je pourrais pêcher aussi, tu me diras. Parfait. Au moins là, on est bon. Et je vais lâcher une petite dizaine de caravanes sur ce fofo. Comme ça, on va avoir de l'or en continu. Il va falloir bien protéger, par contre. Alors, où est-ce qu'on en est? Ouais, c'est ça que je vous disais. On a encore des technologies supplémentaires avec eux. Donc, on va essayer de jouer sur ça pour être le plus destructeur possible. Le passage des enfers est court. Qu'est-ce que tu veux dire sur la portée, Momon? Il me semble qu'il n'y a pas de portée limitée. Si tu as une zone visible sur n'importe quel coin de la map, tu peux le faire. Donc là, ça y est, notre caravane est partie. Par contre, je vais éviter de provoquer ce qu'il y a derrière. À mon avis, ça doit être pas mal. Et s'ils nous mettent le passage des enfers, c'est que il y a une raison. Tiens, combien va nous rapporter la caravane par curiosité? Ah, il y a Winnie l'ourson qui a fait son tour. C'est pas mal, c'est intéressant. Donc 5, là on va se faire 560 grâce au commerce. Voilà, on pourrait faire des forts de la colline ici, mais bon, on va en faire. Je vais avoir besoin d'armes de siège à mon avis, c'est certain ça. Donc là il a 19 d'attaque. Bon, qu'il a 15 d'attaque quand même, hein. Si c'est pas beau ça. En escarmouche, je crois pas, Momon. Hein. Pour moi, s'ils l'ont fait dans la campagne, pourquoi ils le feront en escarmouche? Tu vois, une portée limitée, ça serait pas cohérent, tu vois. Mais bon, après, à vérifier, bien sûr. Bon, là, c'est bien, ça bosse. Je peux encore augmenter la cadence de travail ici. Je pourrais faire un faux là aussi, tu me diras. Ça me donne encore plus de population. Par contre... Ah! Ça, c'est une bonne technologie. La bravoure de tir nous permet que les Huskarls fassent plus de dégâts au bâtiment. Ça rappelle un peu les Huskarls Go d'Age of Empire 2, bien sûr. Et bah, tu sais quoi? Je vais partir sur l'ingénierie. Je vais partir sur les soldats enrôlés. Ça va augmenter la vitesse de recrutement. Je peux avoir quoi comme unité mythique? Je peux avoir les loups de Fenris. Ça peut avoir une utilité, mais ils prennent 15. Et plus ils sont nombreux, plus ils sont forts. Allez, on va embarquer 4 loups pour voir. Alors, je sais pas si ça impacte aussi les hercires, l'infanterie, non. Donc, on va annuler cette technologie, ça les impacte pas, puisque ce sont des héros. Par contre, on va tout de suite renforcer l'équipement, là. Donc là, vous voyez, cette portée de Fenris à 15 à l'heure actuelle. Si j'en fais une deuxième, son attaque va être un peu augmentée, logiquement. Regardez. Alors pourquoi? Il y a une petite fluctuation, je sais pas. C'est comme le débit internet, hein, vous savez, les loups de Fenris. Par contre, on va augmenter les renforcements avec les. On va faire une douzaine de hercires parce que j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'unités mythologiques. Et là, je vais partir sur. 4 balises pour démarrer. Putain, ça veut dire que là, nos héros de Ragnarok, ils sont cuits, certes. Mais ils vont avoir une 20 d'attaque de base, là. Avec ça, regardez. Et contre les unités mythiques, croyez-moi, ça va débloquer. Bah, il y a beaucoup plus d'unités, sûrement, mythe. Parce qu'il y a plus de panthéons, mais... Après, c'est difficile à comparer. Hein. J'ai juste provoqué comment ils réagissent, là. Yeah.
On va éviter de passer comme ça. Et aussi, là, il y a une petite chose à savoir sur les faveurs avec les Scandinaves. Avant, on disait qu'il fallait uniquement se battre avec les unités. Mais j'ai l'impression que que je regarde les Hersir, ils sont 10 et ils génèrent un peu de faveur aussi. Ça y est, l'armure, là, on a les armures maximales bientôt. 69 de défense en mêlée pour Brock. Alors là, on n'a plus rien, c'est logique. Éliminer. On n'a plus de bois ici. On va aller en chercher ici. C'est pas mal du tout. Là, on a quand même une armée assez conséquente. J'ai deux soigneurs, j'ai une vingtaine de héros, j'ai quatre armes de siège, c'est plutôt correct. Donc on va utiliser le passage des enfers et on va déclencher le pouvoir Hiver Fimbul pour voir ce que ça donne. Je suis sûr que ça me paraît trop facile d'aller à la caverne comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose là. Il doit y avoir peut-être une forteresse, un forum ou les deux. Donc j'ai quand même préparé mes troupes. Et c'est à ce moment-là que j'utiliserai aussi l'arme enflammée s'il faut dégager le passage. Mes unités vont avoir un boost d'attaque assez conséquent. C'est quoi cette relique? Les caravanes sont moins coûteuses et se déplacent plus vite. Là, si j'avais vu ça avant. Donc je prends le temps, hein, je peux comprendre. Ah bah cette troll ou boost, c'est une tuerie. J'ai fini la campagne avec même nom hier. Et j'ai eu un bug bizarre. C'est que comme j'ai deux PC, en fait, sur le PC que je stream actuellement, il ne me détectait pas les succès que j'ai enclenché. Alors ce que j'avais fait, j'ai pris les sauvegardes. Et je les ai transférés sur mon autre ordi. Et j'ai refait les campagnes aux éléments pour avoir des succès. Ça s'est débloqué. Alors je sais pas c'est lié à quoi ce problème. Par contre là je vais faire gaffe. Il y a un mur là. Bon Brock, tu viens avec moi. Et justement, là on va repartir ici. On va embarquer à la portée de Fenris en renfort. Elle aura son utilité aussi pour semer la pagaille. Je vais partir aussi, dès que j'ai 32 faveurs, je vais faire ça. Et je vais faire un groupe du Skarn. Oui, on grec, égyptien, scandinave, atlante et chinois, ça fait 4. En vrai, s'ils font un remastered ou un nouveau jeu, moi je dis pas non. Hein. Ou une extension, hein, mais il faudrait plus de mythologie. Bah, je sais pas, ça va être le DLC ou le jeu, je sais pas d'où. Mais apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres personnes qui s'étaient impactées aussi, alors je sais pas dans quelle mesure. Donc, ok. Les caravanes vont gagner de la vitesse. Elles vont gagner. Oh, 1.33 de vitesse, c'est énorme. Et là, je vais commencer à préparer l'infanterie. Je vais faire aller. 5, 10. Ah, eux, c'est que du bois, donc. Je vais faire un groupe du Skarn, là, ça va être costaud. Ils font plus de dégâts au bâtiment, comme ça, si jamais. Et le pire, c'est qu'ils sont pas encore Skarn le lourd. Hein. Ah oui, j'avais oublié ça. Bon, elle me sert plus à rien. Là, je vais faire l'infanterie championne tout de suite. Ah oui, c'est le fameux jeu de mots très. Bravo Loubou. Applaudissez Loubou dans le chat s'il vous plaît. Bah, Momon, pour Age of Empires 2, quand tu regardes, ils l'ont fait en définitive, mais ils avaient rajouté 4 campagnes. Ils avaient rajouté les 4 campagnes de la. Enfin les 3 campagnes de la scan, les 4 factions. Donc je pense que là, ils auraient un coup à faire. 14 Uskar le lourd. Voilà, là on va avoir une vingtaine du Skarn, une meute. Et
je pense que je vais aller faire mon faux-faux pour augmenter ma population. Ah, j'ai plus assez de bois, c'est ça? On va aller faire le faux-faux dans les montagnes, là, comme ça on sera peinard. Ah non, Momon. Attends. Je relis ton truc. D'abord le mettre en définitif comme AO2. Après, ils peuvent rajouter d'autres planteurs. Oui, mais après l'avoir mis en définitif. Ils l'ont mis, ils ont rajouté. Mais c'était déjà intégré de base, Momon, à la définitive édition. Si tu me parles de l'édition 2013, je suis d'accord, là, elle n'y était pas. Mais The Last Scan était déjà présent dans la définitive édition. Ah bah merci, Loubou, t'es gentil. On attend de bons moments. Donc les chars à bœufs, je vais les préparer dans le truc. Et on va envoyer aussi Brock, il l'a. Voilà. On va envoyer toutes ces troupes là, j'espère que ça suffira pour péter le passage et pour forcer le passage et que nos troupes puissent passer et nos chars à bœufs avec. Après on a une bonne économie, donc la seule petite faiblesse c'est le bois. Bon. Allez, en avant-marche. Il est temps de déclencher l'opération Finball. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a les loups qui sont là. Nous, on va passer à l'attaque avec nos balistes. C'est bien, le forum est travaillé ici. Ouh, j'ai bien fait de pas passer par le centre, finalement. Oh, le forum est déjà à moitié à midlife, là, c'est plutôt une bonne chose. Parfait, on va passer maintenant. Et je vais attendre le bon moment pour déclencher ma capacité. Mon pouvoir mythologique, pardon. Arme enflammée. Je vais attendre d'être au contact du forum. Regardez ça. Oh là là. À l'assaut, vite. Revenez, revenez, faites pas les cons. Bon là la bonne nouvelle c'est que bah je pense que le plus dur est fait, faut juste casser les murs. On aime dire tout ça pour ça, mais bon. Pas de prise de risque. Voilà. Par là on a pas mal de maisons communales. Mais non. Mais revenez. Qu'est-ce que vous. Pourquoi vous déconnez les gars? Donc là on voit que c'est la troupe de Falstag est menée par Loki. Et du coup, Brock va vite se rendre là-bas et ça va être la fin du scénario. Donc c'était lui et 4 charabes. Oh, ok. Mission accomplie. Ouais, parce que t'imagines, il aurait fallu péter tout ça. Et entre un fort ici. Là, il y avait des trucs à faire. On aurait pu faire des trucs aussi. Bon. Voilà pour la première mission, elle était pas compliquée sur le papier, mais méfiance quand même.